Comment s'éloigner de soi-même, parler pour les absents. Poème en 44 lignes. Un squelette est une absence de personne. L'absence est maigre, pas silencieuse. En fait, elle parle si haut, elle parle dans la hauteur, on ne l'entend pas. Ses ongles sont si longs, ils ne touchent rien. Ils vont dans les ossatures, dans les objets. L'absence ne participe à rien, mais elle sourit. Elle participe à tout, mais elle ne sourit pas. Millions de têtes blanches, éclairées par des rectangles. Une chose comme affamée. Les ongles craquelés, jaunes ou presque mauves. Au final, on entendrait tomber un poil. La chaleur passe du corps au drap. L'air fatigue. Il donne soif ou faim. On entendrait tomber une épingle. Le monde allonge ses racines et rentre dans le cerveau. Où qu'on se trouve, je pourrais dire à la personne absente « Tu clignotes dans mon esprit ». Le premier absent, le deuxième absent, le troisième absent invente une langue pour son frigo. Ils parlent, ils se répondent. Le quatrième absent découpe son tapis. Le cinquième nomme ses doigts. Le sixième absent dépense son regard dans une direction. Le septième absent. Le huitième absent répète son nom dans un couloir. Le neuvième absent se souvient de l'odeur des avions. Le dixième absent, le onzième absent, le douzième absent, le treizième absent regrette un geste ancien, une vieille parole. On entendrait tomber un cil. J'ai rêvé d'un animal qui me parlait dans une langue d'animal. Il nous disait « Ne vous inquiétez pas ». Mais ses yeux s'enfonçaient dans son visage. À la fin, l'animal n'existait plus. Il coulait comme un jus dans la terre. Sa voix coulait dans la brisure. On se tourne, on ne voit personne. Personne est maigre, presque chauve. Personne ne se présente pas. Il n'a pas de prénom, personne atteint toutes les douleurs. Il fait des nœuds quand on se calme, personne n'a tout créé. Comme si tout naissait de l'absence, comme si tout venait d'elle. Les plantes, les bébés, les mamelles des vaches. L'absence entoure les choses, elle les borde. Elle les aime, elle touche nos cheveux. Quand nous sommes endormis, c'est la vérité. L'absence transporte la lumière jusqu'à nous. Des marches silencieuses, un insecte, des cercles en or, toutes les choses que nous connaissons sont capables de disparaître. Si nous mourons aujourd'hui, le monde disparaît, ils font. Ils ne font pas, ils disparaissent, comme un ordinateur qu'on ferme. Tout est capable de disparaître, les montagnes une par une, ou tout à la fois, et les personnes surtout. Une grande main nous touche peut-être. Le ciel dure des heures, des jours. La vie se baisse, le chirurgien se lave les mains avec un produit rouge. Il dit « Je ne sais pas de quoi se compose ce produit. J'aime croire que c'est une pierre pressée. Une pierre rouge pressée pour se laver les mains. Un tas de terre est calme.